qui est quand même important, c'est de penser un peu tous les jours au Pussy Riot et de faire un peu une action un peu tous les jours pour signifier qu'on va pas oublier de sitôt ce qui s'est passé et de faire en sorte qu'il y ait peut-être une pression internationale un peu grande comme ça qui puisse les faire sortir de prison, ce serait pas mal quoi. Je voulais faire un truc un peu symbolique. Moi-même, j'étais pas capable d'écrire quelque chose proprement parlé, mais je vais lire un poème d'une poétesse russe, qui je pense est assez symbolique et qui voilà, qui s'appelle comment cette poétesse ? Anna Armatova, qui a eu aussi des déboires politiques en son temps. Donc symboliquement, de se dire que voilà, la liberté d'expression, elle a toujours été un peu malmenée à certains moments de l'histoire et qu'il faut pas oublier. Voilà, il y a des gens qui ont lutté, il y a des artistes avant les Pussy Riot qui ont aussi eu à leur manière des actions pour ça. Et donc c'est bien de remettre ça un peu dans une histoire de ça, quoi.